Module 6, journée 2, lecture. Julie, la jeune acrobate. Tatiana est une gracieuse et jolie fillette de 10 ans. Elle est acrobate dans un célèbre cirque de Moscou qui fait une tournée en Europe. Tatiana fait son entrée sur la piste, près du grand mât qui retient l'immense chapiteau du cirque. Au roulement du tambour, elle s'élance sur le tapis en multipliant les cabrioles. Elle se remet debout et, plus lentement qu'un singe, elle bondit sur un escabeau. Ses mains se dressent. Son petit corps se tend, ses jambes, sous le tutu, s'allongent. Elle se renverse en arrière et fait une cabriole. Elle est debout sur le tapis. Les applaudissements du public font rebondir Tatiana. Un autre escabeau est placé sur le premier. Tout recommence. Puis vient un troisième, un quatrième. L'assistance se tait. L'angoisse est partout. Quand la jeune acrobate va-t-elle s'arrêter? Mais elle monte toujours plus haut et, de la hauteur où elle se perche, elle s'élance dans le vide à la renverse. Assez, assez! Crient les spectateurs. Mais ce n'est pas assez pour Tatiana. Les uns sur les autres, 10 escabeaux sont entassés. Cela fait une tour 3 fois plus haute que la pauvrette. Elle y grimpe. Tout le monde se tait. Tatiana est au sommet de la tour, toute droite. Elle regarde les spectateurs et puis hop, elle se renverse, tombe, parcourt le vide, la tête en bas. Comme les autres fois, elle a su merveilleusement rebondir. Elle se lève souriante et multipliant les baisers. Je m'entraîne à la lecture rapide. Je trouve le plus rapidement possible les mots qui désignent les objets dessinés. La réponse: un chapiteau, un mât, un escabeau. J'écris et je retiens les mots outils. Puis, après, par la suite. La description du cirque à partir des précisions données par l'auteur. La réponse: le cirque se présente dans un immense chapiteau retenu par un grand mât. Au milieu, il y a une vaste piste autour de laquelle s'installent les spectateurs pour bien voir le spectacle. 2. Relève les mots permettant d'éviter la répétition des mots suivants. Tatiana, le public.
La réponse, Tatiana, elle, la jeune acrobate, la pauvrette. Le public, l'assistance, les spectateurs, tout le monde. 3. Je relis par une flèche. Les spectateurs applaudissent. Les spectateurs font silence. Les spectateurs crient. Les spectateurs se taisent une deuxième fois. Lorsque la fillette monte encore plus haut, après le premier numéro, lorsque la fillette grimpe sur le deuxième escabeau, lorsqu'un quatrième escabeau est placé. La réponse. Les spectateurs applaudissent lorsque la fillette grimpe sur le deuxième escabeau. Les spectateurs font silence lorsqu'un quatrième escabeau est placé. Les spectateurs crient après le premier numéro. Les spectateurs se taisent une deuxième fois lorsque la fillette monte encore plus haut. 4. Imagine ce que va dire le directeur du cirque à la jeune acrobate pour la féliciter. La réponse. Bravo Tatiana, tu as présenté un extraordinaire numéro. Le public a trop aimé le spectacle. Je te félicite. Un jour, tu seras la meilleure acrobate du monde. J'en suis sûre.